Votre la vidéo pense au Balandi magazine d'actualité RDC ou à Bassam. Tombé les binos, Balandi. Samedi, vous avez compris que pendant tout ce temps, nous étions restés réservés. Parce que la première personne concernée, c'était le Premier ministre qui devait s'exprimer si oui ou non, il était au courant de ce qui s'est passé réellement par rapport à ces ordonnances. Malheureusement, à son retour de Lubumbashi, tout le monde a suivi avec désarroi. Parce que la nation ne peut pas être dirigée comme ça. Nous avons une démocratie protégée par une constitution. Et le rôle de chacun est connu. Cette constitution que tout le monde voit, pour l'avoir, on est passé par la conférence nationale, on n'avait pas eu la constitution, la guerre de l'AFDL était venue, on a changé, on est allé de constitution à constitution. Pour avoir cette constitution, il fallait passer par Sun City, tout le monde le sait. Et que donc le régime qui est consacré dans cette constitution, c'est un régime semi-présidentiel, d'autres l'appellent semi-parlementaire, d'autres l'appellent parlementarisme rationalisé. Donc, le pouvoir exécutif est bicéphale. Il y a le président de la République et il y a le chef du gouvernement. Nous ne pouvons plus accepter de rentrer dans un régime qui va confondre les deux, avoir un président de la République qui est en même temps chef du gouvernement. Ce n'est pas ça qui est dans notre constitution. Ce qui est là, ce qui est le premier ministre à ses attributions, le président à ses attributions, et le respect de la constitution demande à ce que chacun respecte sa constitution. J'entends les gens parler de l'intérim qui a été accordé, mais lorsque nous suivons nous tous, les communiqués du Premier ministre. Hein, vous voyez bien que cet intérim qui a un pouvoir, il était circonscrit. Il était bien dit que celui qui assure l'intérim, même s'il vient par préséance, mais pour tout dossier, les courriers devaient passer par le cabinet du Premier ministre. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, quand vous êtes en mission, vous êtes ministre, Premier ministre, président de la République, restons dans le gouvernement, Premier ministre, ministre, quand vous êtes en mission, votre cabinet ne tombe pas. Il y a toujours un directeur de cabinet. Tous les courriers qui vous sont adressés vont d'abord dans votre cabinet. Et c'est le directeur du cabinet qui traite les courriers qui, s'il y a urgence, va maintenant vers celui qui assume l'intérim. C'est comme ça que ça fonctionne. Et que dans les cas ici, selon les communiqués du Premier ministre, cette fois-ci, c'est des documents, c'est des dossiers ignorés même par son cabinet. Mais c'est très grave, cette façon de gérer. C'est très grave qu'au sommet de l'État, alors que l'article 69, pour nous, le président de la République, c'est celui qui est le garant du bon fonctionnement, que ça commence chaque fois là-bas. Voilà pourquoi, à notre niveau, on est indigné. C'est depuis un certain temps que nous sommes dans la campagne pour protéger la démocratie, pour protéger les institutions de la République, et que, de l'autre côté, quand on attend un autre son contraire, un autre son de cloche contraire, ça inquiète toute la nation. Ce n'est pas seulement les FCC ou les PPRD. C'est toute la nation qui est en danger. Alors, monsieur le secrétaire permanent, le Premier ministre entrevoit un échange avec le Président de la République. Au cas où le violon ne s'accordait pas, quelle serait la position du FCC? Mais ils sont là, il est mandataire du parti dans le gouvernement, c'est lui le chef du gouvernement. L'entretien entre les deux personnalités, parce que, rappelez-vous que l'article 91 de la Constitution les dit très bien. Les domaines de collaboration, c'est comme les domaines de la défense. Alors, les secteurs comme la justice, les secteurs comme celui de la défense, qui concerne la défense d'un pays. La justice où on parle de l'indépendance, il n'y a pas de développement si on n'a pas la justice indépendante. Et les deux secteurs-là, qui sont consacrés comme des domaines de collaboration entre les gouvernements, et le président de la République,
Le Premier ministre vous dit bien qu'il nie, qu'il ignorait tout de ce qui s'est passé. Mais c'est grave. Nous ne sommes plus dans la dictature et personne ne veut rentrer dans la dictature. Alors, Nalingala, vous pouvez copier ce message. Nalingala, on a beaucoup tolandi communiqué à Premier ministre. Bolandaki na malobanabiso yaba konzi atanke parti tozalaki na ba mois réserve avant que yemoko chef du gouvernement aloba mais tango alobi biso toyo kamwa ke likambo ya modele wana alors que azalai na intérimaire oyatikali moi pouvoir ya intérim que soki likambo ezali aye bisaye téléphone azalai musikate azalai kana Lubumbashi. Quand Mikolomi balé pamba ya mission, bokende ka au sala dossier munene ndenge wana alors que constitution na biso article 91 ba domaine mususu eza ba domaine ya collaboration net ba domaine wana défense donc ya ba militaire wana net ba domaine ya justice eza la mokonzi ya mboka eza la chef du gouvernement a ko sala yango ye mokote sake informé moningate et puis ba Congolais pe ba yebi que toza quand même na coalition bokonzi oyo eza ya ya deux forces politiques FCC cash toza na coalition FCC cash qu'est-ce que constitue lobby que domaine wana chef de gouvernement na chef de l'état eza ba domaine ya collaboration que mutwa kendo salango au profiter kana absence ya moninga ya deux jours sans consulter sikoyo po oya intérieur aza oya yo ya parti. Bosali makambo ndenge wana eza danger contre la République. Eza danger te que batuba kanisa te que FCC azowela pona eloko nini te mikolo mboka bitumbeza na ba est eza partout. Ba tentation ya mabe on dirait ba tribalisme ba nini. Biloko mabe mabe. Constitution o toza nango eza constitution etia o babenga ka régime politique semi présidentiel. Toza na présidentialiste. L'ismeté oyeti akake mokonzi ya mboka ndeza kana liloba moko biso tokoma banda ba balumumba ba kasavubu ba bandolu kake na mboka na biso ya Congo ba konzi ba kokonza pouvoir exécutif collaboration ezala siko ekomo kufa ndenge nini et puis article a part oya 91 ezolo bake ba domaine net ya makasi wana oyezo tala bomoi ya nation il faut collaboration ezala. Mais mokonzi mboka en réalité ya zawana ke azala likolo na nyoso so mwa moto ou bien nungu nungu ezozala yende il faut aboma moto garant de bon fonctionnement ezaye mais so ezake kunande siko on dirait moto ezopela hein yango to lo ba non c'est pas normal je crois que ba congolais bazolanda à un moment donné que to belela que ba institution est en danger parce que soto longwe lisusu a qui oyo hein quand même constitution est là qui a qui depuis ba sand city ba sali constitution wana que tozonga susu ba état oyo ba konzi ba komo sala sans que balanda constitution wana to komo zonga susu sima et puis sima makasi yango lobby eza milulu minene ya FCC perdre il y a pas congolais nyoso parce que tozolo ba face à ko gérer ya ndenge wana ezoti ya mboka nde ya danger ezate que za pona ka famille politique mo boyete tozonga nde sima na démocratie tozonga nde sima na kowela développement na mboka pona ka likambo alors que likambo yo esenga kika batu basolola ba collaborer. Yango je crois que na communiqué na yena sagesse ya premier ministre alobi ngai fona zonga et pas mokonzi ya mboka na tuna nini ezalaki po makambo ekende ndenge wana ekende contre constitution na biso. Merci. Message pour la en français. Pona milulu ya lobi, milulu ya lobi en réalité eza pona ba congolais nyoso. Bomonaki ba msusu basalaki ba marche bande ko msusu bien que tozalaki na état d'urgence basali kaka mais ezalaki ka likambo ya rosar mutu moko poste moko mais awa likambo tozolo ba tozolo belande mboka batunyoso bayebi tosala mibu na mibu na conférence nationale souveraine awa
batubaye ke bakubengana mobutu babengana ete bakosa la constitution siko toza la démocratie basa la constitution anate ti afdel ya kokota na mboka awa ko surprendre ba conférence wana ti bitumba msusu ya ba RCD ya ba MLC menyoso tangu Kabila ye Joseph Kabila kabanga ye ayo suki sango ke batu nyoso ba fande ensemble siko consensus wana o batu ba fande la tito yozwa constitution toza nango oyo eza constitution etiaka nde régime ya collaboration oba tango bazolo ba semi présidentiel eza présidentialiste lisusu te eza te ke siko mokonzi ya mboka ndenge nazoyoka na baninga na biso ya ba IDP eske non mokonzi ya mboka tango ye azokamba soki alobi likambo eza nde wana wana eza constitution na biso te batanga nde constitution na biso esengi na article 91 collaboration surtout na ba domaine net ya ba sécurité collaboration entre chef de gouvernement na chef de l'état ba domaine net ya défense nationale collaboration na ba domaine net ya magistrature ezate ke sikoye zala ke yoza mokonzi ya mboka yonde okolobali loba suka constitution na biso lobi ndenge wana te un message en français pour la marche de demain. La marche de demain c'est une mobilisation des Congolais en fait. Parce que ce que nous suivons dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est inquiétant. On est en train de reculer lorsqu'on voit les menaces d'autres tribus être menacées par d'autres. Des formations dans des enclos comme s'il y a des milices qui sont en train. Alors que l'alternance ici qui a été favorable pour un candidat qui venait de l'opposition, devait plutôt donner des signaux pour le respect des valeurs républicaines, des valeurs de la démocratie. Mais là, avec tout ça, ceux qui ont suivi la signature de ces ordonnances-là, et surtout avec la dénonciation du Premier ministre, c'est quand même grave. Votre vidéo pense au Balandia Magazine d'actualité RDC ou à Bassam. Tout le monde est bien, Balandia.